Donc pour commencer ce tutoriel vidéo sur la gestion des clips d'animation dans Maya, eh bien on va venir donc sur les deux personnages d'abord. On va pas regarder comment on les a bien sûr créés en termes de modélisation et de système donc de joints, mais on va regarder comment ils sont constitués et qu'est-ce que l'on peut donc apporter comme animation sur ces deux éléments, donc ces deux personnages ici. Donc on va revenir donc sur la scène de départ. Donc ici sur la scène de départ, on a nos deux footballeurs ici, donc deux joueurs, donc deux personnages en mode polygonaux ici. Et donc sur chaque personnage, donc on a un système donc de squelette assez classique ici que l'on peut voir, donc qui va permettre donc de bouger le personnage. Donc à partir de là, eh bien, on va créer donc différents mouvements d'animation, que ce soit donc pour le goal ou pour le buteur, que l'on va ensuite sauvegarder. Alors comment on va réaliser ça? Donc ici on va venir se mettre donc en mode sur le time slider jusqu'à 100 voire 150. On verra si on a assez donc de valeur ici sur le time slider. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc des mouvements d'animation de joueurs de football qui ont été capturés donc en motion capture, donc de joueurs réels sur lesquels on a mis donc une combinaison et on a appliqué tout le système de motion capture sur lequel je ne reviens pas ici et qui a permis donc d'avoir l'animation des différents squelettes dans différentes positions, donc le joueur qui tire, le joueur qui arrête le but, le joueur qui se déplace et ainsi de suite. Donc on va pouvoir comme ça donc intégrer les différents éléments. Donc ici on a donc nos deux éléments dans l'outliner. On voit qu'on a ici donc le goal, le buteur, le soccer player ici 1x qui est donc le squelette donc du goal et le soccer player 2x ici qui est celui du buteur. Et donc on va venir maintenant que l'on a mis ça en place faire un drag and drop d'un fichier donc FBX qui contient le mouvement par exemple ici donc du goal qui va arrêter la balle. Donc je prends mon format FBX et je le relâche donc dans la scène drag and drop. Et donc à ce moment-là, j'ai le goal qui vient se recentrer ici. OK. Et si je lance donc le player d'animation, eh bien je vois que j'ai mon goal qui rentre en action et qui vient donc plonger pour essayer d'arrêter la balle ici sur le côté gauche. OK. Donc à partir de là, je reviens donc sur le squelette, donc soccer player 1x du personnage. On voit qu'il a récupéré donc l'animation que l'on est en train de jouer. Donc elle est sur les hips, mais sur l'ensemble aussi, bien sûr, de l'arborescence, des spins et donc du squelette, des bras et ainsi de suite, bien entendu. Et l'ensemble ici, on le voit donc se dérouler sur à peu près 64 frames, 63,2 exactement, hein, pour être précis. C'est donc une motion capture de mouvement qui a été ensuite appliquée donc à ce squelette et que l'on peut retrouver directement donc au format FBX et importer ici. Donc on l'a appliqué, l'animation a été appliquée donc sur le squelette Soccer Player 1x ici et sur son arborescence et on va pouvoir maintenant créer donc un clip d'animation. Donc pour ça, eh bien, on va venir dans le module d'animation. Animate ici, create clip. OK. Et à partir de là, donc on va venir sélectionner le soccer player 1x, venir donc ici rentrer donc la définition du clip d'animation qui va reprendre donc la définition du clip d'animation, c'est de reprendre l'ensemble des clés d'animation et les encapsuler donc dans une boîte noire, on va dire, que l'on va pouvoir donc utiliser dans un éditeur et qu'on va pouvoir rejouer autant de fois que l'on veut, par exemple, ou couper, tronquer à moitié, démarrer un peu plus tard, finir un peu plus tôt et ainsi de suite. Donc ici, on va dire donc arrêt ballon, par exemple, hein, 0,1. OK, donc start end, et bien on va aller jusqu'à 64. Ici, start
time 0 ou 1, ça commence à 1, et on finit end time à 64. On n'oublie pas de cocher include hiérarchie puisqu'on a sélectionné juste le hips, et on a donc des mouvements, bien sûr, des bras comme on l'a vu, des jambes bien entendu, et donc on veut récupérer l'ensemble donc de la hiérarchie pour amener tout cela dans un clip. On se met donc en termes d'offset en mode relative route only. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement donc le route, donc ici le hips, qui va être en mode relatif. Ça veut dire que on va pouvoir donc répéter son déplacement. Ça veut dire par exemple si à la fin donc du clip, comme c'est le cas ici, eh bien le route, donc le corps principal donc du personnage se retrouve pas au même endroit donc en termes de positionnement, ce qui est le cas ici par exemple, hein, on ne va pas le retrouver au même endroit, puisqu'au début il est ici et à la fin il se retrouve plus en avant ici. Eh bien on va faire un mouvement relatif, ça veut dire que le clip suivant repartira donc du même endroit et redémarrera pas donc au départ. Et de la même manière, si on veut répéter une deuxième fois le mouvement, c'est-à-dire que si on veut mettre deux clips de arrêt ballon 01 l'un à la suite de l'autre, eh bien avec ce mode-là, relative route only, le clip suivant va redémarrer donc de la position actuelle du route. Et donc on va rejouer le mouvement à l'endroit actuel. Si on coche pas ça, si on se met donc en mode absolu ici, eh bien le clip va être rejoué donc au départ dans sa position initiale. Donc pour l'ensemble des autres mouvements, ça c'est intéressant. Ça veut dire les mouvements des bras, des jambes. Bien entendu, on veut un mouvement absolu, puisque on a des rotations donc au niveau des bras et au niveau des jambes. Et ce qui nous intéresse, c'est de retrouver cette rotation absolue qui est rejouée donc dans le clip. Par contre, au niveau du déplacement donc du route, eh bien, on veut faire démarrer le clip à l'endroit où se trouve le route, de telle manière qu'on puisse faire redémarrer à nouveau soit le même clip, soit un autre clip, bien entendu, de telle manière de pouvoir enchaîner les clips les uns à la suite des autres. Okay, donc ça c'est relativement important de bien penser donc le type d'offset que l'on veut mettre en place, absolue, relative ou relative, route only, et les autres seront donc en mode absolu bien entendu. Inclus hiérarchie ici. Alors leave keys in timeline, on va le décocher, ça veut dire qu'on va perdre les clés sur la timeline, elles vont partir dans le, elles vont être prises dans le clip, et donc à ce moment-là, bien entendu, on ne verra plus momentanément donc le goal plongé pour essayer d'arrêter la balle, donc de jouer cet arrêt ballon ici. Donc je clique ici sur Create Clip. Ok, donc on voit bien que les clés ont disparu. Le goal se retrouve dans sa position donc de départ donc du clip. Et on a à ce moment-là donc créé en même temps un clip d'animation et en même temps un caractère. Donc un caractère reprend donc l'ensemble des éléments, des caractéristiques du personnage, ici les joints, donc épaules, coudes, bras, poignets, jambes et ainsi de suite, pour les regrouper donc dans ce qu'on appelle un set de paramètres, donc un caractère set ici. Et ce que l'on a créé ici, ça s'appelle multicaractère par défaut. On va pouvoir le renommer et l'appeler multicaractère goal ici, qui sera pour le goal. Et on va pouvoir donc retrouver à l'intérieur, comme on le voit ici dans l'outliner, l'ensemble donc des paramètres ici, donc des éléments sur lesquels il y avait donc des clés d'animation. Donc on va retrouver par exemple donc le pied, la jambe gauche et ainsi de suite, qui vont être regroupés ici et qui vont servir donc à créer les clips d'animation. Donc cette fonction ici dans Animate Create Clip permet de créer le clip d'animation, et avant de créer le clip d'animation, on est censé créer un caractère set. Et donc c'est fait automatiquement par Maya si on utilise la fonction Create Clip ici. Autrement, il aurait fallu venir dans Caractère ici, Create Caractère set en ayant sélectionné donc les différents joints de mon personnage. À partir de là, quand j'ai créé mon Create Caractère set, et eh bien à ce moment-là, je peux créer donc un clip en venant resélectionner donc les points. Donc en venant ici directement créer un clip, je crée mon caractère set et je crée ensuite donc mon clip. Donc on va venir maintenant dans le Tracks Editor, donc
animation Trax Editor, c'est lui qui gère donc les caractères 7 et qui gère donc par rapport à ces caractères 7 les clips qui ont été créés pour ce caractère 7, donc pour le squelette qui est représenté par le caractère 7. Donc ici j'ai CH Goal, multi-caractère Goal ici. En bas à droite de l'interface de Maya, je peux sélectionner, je mets None, donc il n'y a aucun caractère 7 de sélectionné. Si dans le Trax Editor je clique sur Load caractère 7, eh bien il n'y a pas de nouveau caractère 7 qui est loadé. Donc là par défaut j'ai mon multi-caractère Goal qui est sélectionné. Il faut que je vienne dans multi-caractère Goal pour vraiment le loader. Donc là il était déjà loadé par défaut, mais il ne faut pas oublier de venir on va voir quand on aura les deux qui vont être créés en termes de multicaractère goal et buteur ici, eh bien on pourra passer de l'un à l'autre en venant en bas à droite de l'interface de Maya, venir sélectionner celui qui nous intéresse, donc multicaractère goal ici, pour l'instant il n'y en a qu'un. Donc à partir de là, eh bien je vais ouvrir donc le visor, ici dans General Editor Visor. Dans le visor, je vais venir donc dans le caractère clip et automatiquement il va me donner donc les clips sources que j'ai créés pour ce caractère 7. Donc ici j'en ai créé qu'un qui s'appelle Harry Ballon 01 et j'ai le source ici, il y a le mot source qui a été rajouté. Donc je vais pouvoir maintenant donc faire drag and drop avec le bouton de milieu de la souris, déposer donc mon clip sur mon Trax Editor ici, sur mon track, ma piste track ici. En tournant la souris, ici, je vois que j'ai insert track below, above, ici. Je peux donc insérer des tracks pour jouer plusieurs fois donc un clip ou associer plusieurs clips ensemble. On va le voir. Et donc ici, j'ai mon premier clip que je peux déplacer, okay, que je replace maintenant donc en 1. Okay, hop, il a sauté justement sur un nouveau track. Et maintenant, si je joue l'animation, ok. Et à ce moment-là, donc voilà le clip qui se rejoue ici, donc hop, et le personnage qui finit vers 60, donc 4, on a dit ici, voilà. Ok, et je peux très bien par exemple faire bouton droit à la souris, copie clip, et bouton droit à la souris, paste clip. Donc j'ai un deuxième clip qui vient se positionner, c'est le même, qui vient se positionner donc sur le deuxième track. Je peux le remonter sur le premier track ici, en termes d'édition. Je peux, on verra, combiner les deux, les superposer. Alors ça peut donner des choses bizarres, on le voit ici, hein. C'est-à-dire que les deux sont cumulés, les deux animations sont cumulées, et ça tord un peu le personnage, bien sûr. Donc je peux ici déplacer aussi mon clip pour laisser de l'espace entre les deux et venir donc jouer ici. Alors je remonte ici mon Trax Editor, ok, et venir donc déplacer ma ligne de temps et hop, mon goal replonge et revient se repositionner. Okay, donc je peux le jouer deux fois ici. Il plonge une première fois, il vient se repositionner. Il plonge une deuxième fois, il vient se repositionner. Donc les deux mouvements se suivent donc avec un route en mode relatif qui donc redémarre le clip suivant à l'endroit où il se positionne avec l'ensemble donc des subcaractères ou des joints qui sont donc hiérarchisés à partir du route. Ok? Donc je peux très bien le mettre à la suite ici, se superposer, et ainsi de suite. On verra qu'on a pas mal de possibilités d'animation ici. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut créer donc des clips. On va pouvoir comme ça donc ensuite créer d'autres clips, par exemple le goal qui attend, comme on le voit dans notre animation de départ. On va avoir donc le goal qui attend avant de venir donc plonger pour récupérer la balle. Et donc on va pouvoir associer par exemple ces deux clips qui seront à ce moment-là différents. Et juste pour terminer cette petite introduction, bien entendu, sur les clips d'animation, avant de revenir sur notre scène ici, on a la possibilité, donc ce qui est important, de pouvoir exporter l'animation clip, okay, par exemple celui sélectionné. Okay. On va pouvoir donc l'exporter en Maya ASCII ou en Maya Binary ici, et par exemple appeler donc goal, arrêt, but, par exemple, ok, 0,1. Et on va pouvoir le sauvegarder donc au format MB. Ce qui va nous permettre ensuite de faire la fonction inverse, de pouvoir l'importer et l'appliquer sur un squelette qui sera semblable.
Alors ici, on est en mode squelette, on n'a pas de guide, hein, puisqu'on a fait de la mocap directe, mais on appliquera exactement le même pipeline de fonctionnement et de création, d'import et d'export, si on a un personnage avec des guides, et d'autant plus si on l'a avec des guides, puisque ces guides seront nommés, ne dépendront pas du squelette ni du personnage, et donc on pourra appeler donc à un moment donné un clip d'animation que l'on aura posé sur les guides. Ces guides seront appliqués sur un autre personnage totalement différent et on pourra appliquer donc l'animation avec ces mêmes guides. Donc ça va nous permettre de transférer comme cela d'un jeu de guide à un autre une animation avec donc un personnage qui sera différent, réceptionnant donc l'animation, puisqu'ayant les mêmes guides, la même nomination donc de guide, bien entendu, il faudra avoir le même nom de guide. Donc par exemple, guide poignet droit, guide poignet gauche, guide genou droit, guide genou gauche, que l'on pourra appliquer donc par exemple au buteur, que l'on pourra appliquer au goal. Et si les guides ont le même nom, ils pourront avoir donc le même jeu de caractère et à ce moment-là donc le même clip d'animation. Ce qui va nous permettre de porter de l'animation sur deux personnages totalement différents, voire éventuellement avec des morphologies totalement différentes. On pourra comme ça s'amuser donc à venir faire jouer donc du foot à un bipède, quel qu'il soit, même autre qu'un simple humain. Ok. Donc ici, on a donc exporté le clip d'animation. Donc deux choses totalement différentes. On l'a dans le visor et on l'a aussi donc en export. On va pouvoir aussi l'importer ici dans le visor, import selected scene file ici, qui va nous permettre donc d'importer des clips. File import plutôt ici et donc on va pouvoir importer donc des clips ici et on va venir dans clip ici voilà récupérer donc goal arrêt but ici ok et on va pouvoir donc l'importer sur le personnage ensuite ok on va donc le retrouver ici. Ok, je l'ai ramené ici, il était déplacé. Goal arrêt but ici, alors qu'il ressemble bien sûr aux deux autres, puisqu'on a fait une sauvegarde, et on pourra voir une troisième fois comme ça, donc hop, voilà, le personnage donc qui plonge pour récupérer la balle. Ok, donc voilà un peu pour la gestion des clips ici. Alors ce qui est important bien sûr c'est d'avoir dans le visor donc les différents clips sources que l'on va pouvoir donc injecter au fur et à mesure dans le Trax Editor pour réaliser donc une animation complexe. Donc maintenant, on va revenir donc sur notre scène, après avoir vu donc comment créer des clips. Donc ici, j'ai reloadé donc la scène. Par défaut, donc je n'ai aucun caractère set de sélectionné ici. Donc maintenant, j'ai deux caractères set, buteur et goal. On a vu comment ils étaient créés automatiquement en créant donc les différents clips. Donc si je sélectionne par exemple le buteur ici, je vais avoir donc différents clips à ma disposition, tir but, course par exemple ici. Et si je sélectionne donc le goal ici, je vais avoir de la même manière dans le viseur, donc arrêt goal et attente goal par exemple ici. Donc je vais pouvoir combiner donc ces différents éléments. Alors dans l'outliner, si je veux faire apparaître dans le Trax Editor il s'ouvre donc dans animation Trax Editor ici. Je sélectionne donc mes deux caractères et sur le Trax Editor je fais load selected caractère ici. Donc on voit apparaître donc à ce moment-là mes clips d'animation ici. Okay, donc je vais supprimer le travail que j'ai réalisé pour l'instant. Et j'ai mes deux donc caractères set sélectionnés, buteur et goal ici présents. Donc normalement, j'ai plus aucune animation, j'ai juste l'animation de la balle, okay, qui est en simple keyframing hein, ici. Et on va pouvoir donc à ce moment-là, par rapport à la balle, venir redisposer donc l'ensemble de notre action ici. On va venir donc d'abord sur le buteur. Ok. Alors on va sélectionner ici le buteur en bas. Ok. Et on a donc on va faire drag and drop, tir au but. Voilà. Et on va avoir donc à ce moment-là. Ok.
Le ballon, on va le caler, il démarre en 88. Voilà. Hop, 88. Et on va caler donc le pied ici de notre personnage, de notre footballeur. Oups, on remonte ici. Ok. On va le caler de telle manière, voilà. Donc elle va commencer donc en 71, le clip. Il dure donc 36 frames, hein, de 1 à 36, 36 frames ici. Et de par contre au niveau du temps, donc le clip se lit de la manière suivante. On commence en 71 et on finit en 106. Le clip, sa durée est donnée de 1 à 36. Donc on va voir que l'on peut donc réduire éventuellement donc l'animation du clip, si on ne veut pas la fin par exemple du clip, ou on ne veut pas le début, on veut commencer un peu plus tard, et ainsi de suite. Donc ici j'ai calé donc en 88, de telle manière que on soit synchro, voilà, avec le goal ici. Ok. Qu'on soit synchro, pardon, avec le tir du buteur, le ballon synchro, voilà, c'est le cas ici. Hein. Par contre, voilà, ici. Ok. Par exemple, si on veut arrêter, imaginons qu'on veuille arrêter le pied donc du footballeur qui tire ici posé donc sur le sol dans cette pose-là. On est ici quelques frames avant la fin, donc on est en 100 pour 106 ici. Donc 36, il faudra passer à 30 et on va pouvoir donc prendre le chiffre 36 et venir réduire pour venir donc ici réduire le clip. Ça veut dire que ensuite, le clip ne va pas être joué, donc le footballeur ici se bloque et s'arrête dans cette position-là, qui n'est pas forcément la meilleure position, mais c'est juste pour montrer que on peut donc arrêter le clip ici. Donc je peux le réétendre et jusqu'à sa valeur maximum 36 en tirant là-dessus, en tirant sur le chiffre 36. De la même manière, ici, je peux très bien commencer aussi. On va commencer donc en 71. Ok, ici il démarre, voilà. Et je peux très bien imaginer le faire démarrer un peu plus tard, par exemple ici, en 79. Donc en fait, 8 frames plus loin. Et donc je vais prendre ici le 1 et l'amener donc ici sur, voilà, le 9. Ce qui fait que là maintenant, avant donc le joueur ne va être figé et seulement à partir donc de la 9e frame du clip, eh bien, ça va se jouer et il va venir tirer. Okay. Donc ça, c'est la possibilité de pouvoir donc couper de part et d'autre le clip d'animation. Ensuite, on va avoir la possibilité de pouvoir donc jouer l'animation à une certaine vitesse. Ici, en dessous, on a marqué 100%. On va très bien pouvoir la jouer donc en étirant ici donc la valeur finale sur la frame qui était en 106, la tirer ici pour faire à peu près donc jusqu'à 200, voilà, 200, 141. Ce qui fait que le clip va se jouer donc beaucoup plus lentement et en fait, bien sûr, on va être désynchronisé par rapport au ballon parce qu'il va mettre deux fois plus de temps pour arriver au droit du ballon et tirer à ce moment-là, bien entendu. Ok? Par contre, le clip d'animation se joue bien sur 36 frames ici, de 1 à 36. Mais deux fois plus lentement, donc va nécessiter deux fois plus de frames sur la timeline, donc de 71 à 141. Ok, donc hop, ici je reviens donc en 100, voilà. Ok, et le clip est recalé ici. Ok. De la même manière, maintenant, on n'a qu'un clip donc ici pour le buteur. On va prendre donc maintenant le goal. Ok, on va le loader. Voilà. Oups, goal. On va le loader les deux. Alors des fois, ça, le mieux c'est de le prendre dans l'outliner, les deux ici, comme ça, ils viennent se loader. On a loadé ici maintenant le goal, effectivement, et on a donc toujours le tir ici, donc du buteur, qui est synchro, et on va maintenant s'occuper donc du goal. Donc pour le goal, eh bien, on a deux clips cette fois-ci, on a arrêt et attente, donc on va prendre bouton du milieu de la souris drag and drop, poser donc l'attente ici. Et puis on va poser donc l'arrêt
sur juste à côté ici. On peut créer donc on va créer donc un track supplémentaire en faisant bouton droit de la souris insert track ici, de telle manière de voir comment éventuellement les superposer les deux clips, ou voir comment on fait une transition entre les deux. Donc pour l'instant, donc on a le goal qui attend ici, qui est en attente. Ok, donc je vais remonter le goal ici. Et donc le goal est en attente ici. Alors je le fais démarrer donc à la frame 1. Ok, donc avant, bah, il se repositionne dans sa position initiale. Donc ce qui nous intéresse, c'est donc en 1 ici. On démarre donc en 1. Ok, et on le voit donc osciller en attente. Et ensuite, donc soit on laisse du temps. Ok, et on le fait plonger ensuite. Donc ici, il faudrait prolonger l'attente. Soit on ramène donc le deuxième clip par exemple ici, et hop, à ce moment-là il va plonger donc synchroniser ici. Alors selon bien sûr l'arrivée du ballon, eh bien l'attente va être plus ou moins donc longue. On peut venir allonger, donc ici j'ai raccourci l'attente, donc l'attente au départ elle est ici. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est bien sûr donc réduire le clip d'attente, venir synchroniser le clip d'arrêt. Ok, voilà. Ok, voilà. Ici, voilà, en 114. Et on va régler comme ça ensuite. Donc, le clip d'arrêt étant positionné, on va venir donc à ce moment-là synchroniser le clip d'attente en le réduisant pour qu'il vienne correspondre donc au temps manquant en amont donc de l'arrêt du goal, du clip d'arrêt du goal. Donc je synchronise mon clip ici donc en 114, qui est le moment où la balle arrive et va taper sur les mains et repart donc dans l'autre direction. Et donc je synchronise donc l'arrêt du goal ici, le clip d'arrêt du goal, de telle manière qu'il soit dans la bonne position. Donc, bien entendu, on va regarder voilà ici qu'il arrête au moins avec une main. On pourra ajuster ensuite selon la forme du ballon et la position du ballon donc les doigts, et rajouter une animation sur le clip. On le verra dans les prochains tutoriels. C'est-à-dire qu'on a le clip de base ici, comme on le voit ici par exemple, donc les mains correspondent pas tout à fait à ce que l'on veut. Eh bien on pourra donc venir ajuster donc avec de nouvelles courbes d'animation que l'on va rajouter donc au clip existant. Alors on aura plusieurs méthodes pour le faire. Soit on peut venir modifier donc le clip arrêt goal ici, qui est un clip indépendant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un clip indépendant par rapport aux sources ici. Donc le source n'est pas modifié quand on va modifier donc les courbes d'animation ici de l'arrêt goal. On peut très bien le faire ici à ce niveau-là, ou simplement donc garder le clip tel quel et venir rajouter éventuellement donc sur le squelette d'animation, puisque on l'a toujours bien entendu X-ray joint. Ici on voit donc le squelette et on peut donc intervenir dessus en le sélectionnant, créer donc un layer d'animation ici dans Anim Layer, en venant donc rajouter une petite animation qui va venir se réajuster, qui va venir réajuster ici donc la main, le poignet, pour légèrement le faire pivoter pour qu'il corresponde mieux donc à la saisie du ballon ici. Ok, donc ici je viens dans un premier temps positionner mon clip en 114 ici, et voilà, le ballon repart. Ok. Et donc par rapport à ça, je termine, comme je le disais, en venant donc étirer l'attente ici, puisque j'ai de la place, enfin j'ai du temps, puisque mon clip d'attente jusqu'en 100% va à peu près donc jusqu'ici, donc ça correspond ici. Ok, donc si j'avais eu besoin d'un peu plus de temps, et eh bien j'aurais joué un peu sur un petit pourcentage donc de durée de l'attente, ou j'aurais pu très bien aussi, par exemple, si je veux avoir un moment particulier de l'attente du goal, donc je reviens ici sur l'attente du goal, ok, et on terminera là-dessus pour ce premier donc tutoriel ici d'initiation au clip. Par exemple, ici j'ai donc mon voilà, mon
il bouge un peu à droite et à gauche, comme ça, ok? Eh bien, je vais pouvoir donc, par exemple, limiter donc à 60, ok, ces mouvements, okay, et venir plutôt dupliquer donc le clip parce que c'est la première partie qui m'intéresse. Donc ici, bouton droit de la souris, par exemple, copie clip, et puis bouton droit de la souris, paste clip. Donc j'ai un nouveau clip d'attente qui vient se positionner ici, voilà, ok. Et je vais pouvoir donc par exemple le réduire pour venir donc le positionner ici à la fin donc et hop il plonge voilà donc je peux jouer comme ça sur deux clips qui vont me permettre donc d'avoir un mouvement particulier de l'attente à un moment donné. Et donc pour avoir une bonne synchronisation entre ces deux morceaux de clips, eh bien je vais passer les clips en relative clip ici. Et le deuxième morceau aussi ici que j'ai copié relative clip ici, ce qui fait que j'aurai une meilleure continuité donc d'un passage à l'autre avec peut-être un petit oscillement de certains parties qui vont se répéter. Éventuellement, on verra que l'on peut donc passer d'un clip à un autre en créant donc une transition. Avec donc ici un blend qui va nous permettre donc de créer une transition entre les deux mouvements, ce qui fait qu'on aura encore quelque chose de beaucoup plus continu ici. Voilà, ok, et ensuite il plonge. Bon, voilà, ici donc rapidement mis en place donc les différentes façons d'éditer donc les clips. Il faut bien sûr ajuster, donc on peut ajuster le blend, on peut ajuster bien entendu aussi donc le démarrage du clip. On peut très bien aussi donc ne pas utiliser donc ici le blend et décider de venir donc plutôt coller ici. Et donc si en 59 et eh bien on a un mauvais mouvement, et eh bien on gagnera donc une ou deux frames ici. On commencera donc en 3 en termes de clip pour venir réajuster donc au mieux le passage d'un clip à l'autre. Donc on voit qu'on a vraiment toutes les possibilités pour éditer donc ici notre animation sous la forme donc de clip. Ici je vais coller donc le deuxième clip d'attente avec le goal et voilà donc le goal ici qui plonge. Donc voilà les premières possibilités ici donc de gestion des clips. On voit que si on a donc une panoplie de clips d'animation, on va pouvoir donc les mixer, les juxtaposer. On peut très bien aussi, ce que l'on n'a pas fait sur ces personnages-là, avoir des clips d'animation pour la partie supérieure du corps et pour la partie inférieure du corps, que l'on va pouvoir associer, donc un personnage qui court et qui lève les bras, un personnage qui court, qui a les bras baissés, et ainsi de suite. Et on va pouvoir comme ça donc associer différentes parties, animations de différentes parties du corps pour obtenir donc des animations complexes sur le Trax Editor grâce donc à ce système de clips d'animation.